dans Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bienvenue dans cet épisode de Histoire d'accouchement. C'est avec beaucoup de joie que je vous présente aujourd'hui le témoignage d'accouchement à domicile de Myriam, 2 mois et demi après la naissance de son 2e enfant. Suite à une première grossesse et un premier accouchement classique, médicalisé avec péridurale, Myriam a fait le choix d'un accouchement à domicile pour son 2e enfant, 9 ans après. Pour l'accompagner dans son projet, elle a été l'une des premières mamans à participer au programme Objectif Naissance et ce fut une très belle rencontre pleine de révélations. Au moment où je tourne cet épisode, Myriam attend d'ailleurs son 3e enfant. Une prochaine histoire d'accouchement à venir. Alors, comment ça s'est passé pour Myriam ? Myriam, pour son premier accouchement, il y a déjà 9 ans, elle a vécu un accouchement plutôt classique avec péridurale. C'était une grossesse sans difficulté pour laquelle elle est arrivée avec un col dilaté de 7 cm à la maternité. Toutefois, elle était inquiète de la longueur que pouvait avoir un premier accouchement suite à sa préparation classique où on lui avait expliqué qu'un premier accouchement dure longtemps. Elle a donc accepté de prendre une péridurale, n'étant pas préparée à la gestion de la douleur. 2 heures après la pose de la péridurale, le bébé était bien engagé. La sage-femme est partie chercher le gynécologue. Myriam accouchait en clinique privée, c'est pour ça que souvent en clinique privée, la présence du gynécologue est quasiment obligatoire pour l'expulsion du bébé. C'est leur mode de fonctionnement qui est comme ça. Donc la sage-femme et le gynécologue ne sont revenus que 1h15 plus tard, le bébé était déjà presque sorti, tout s'est fait très facilement. Au moment de la sortie du placenta, la sage-femme a tiré sur le placenta, Myriam a eu extrêmement mal, sans comprendre vraiment ce qui se passait, mais tout s'est déroulé ensuite de façon très classique, donc Myriam est remontée en chambre avec sa fille. L'allaitement a posé plus de problèmes, sa fille dormait, n'arrivait pas trop à prendre le sein, Myriam a galéré, parce qu'elle était toute seule, la douleur était plutôt forte. Un de ses seins saignait, la sage-femme lui demande de passer directement au biberon à 1 jour de vie du bébé. Myriam a très mal vécu l'échec de son allaitement. Plusieurs années plus tard, après avoir refait sa vie avec un autre homme, Myriam est en désir d'un 2e enfant. Elle est attirée par des groupes Facebook sur l'accouchement à domicile. Elle comprend alors que ce qu'elle a vécu à son premier accouchement, extraction manuelle de son placenta, ainsi que les violences gynécologiques, certes non traumatiques, mais ça, elle a plus envie de le revivre. Et aussi le fait d'avoir vécu son accouchement sous péridurale comme une spectatrice. Cette fois-ci, elle désire vraiment être actrice, faire naître son enfant, être en symbiose avec son bébé, et pas que son enfant naisse tout seul, comme elle a eu le sentiment pour le premier. Donc c'est tout un cheminement vers l'accouchement à domicile qui s'est opéré pour Myriam. Donc en 2019, Myriam, elle est enceinte, elle a aussi déménagé. Elle se renseigne donc sur ce qui se fait autour de chez elle en matière d'accouchement. Elle visite une maison de naissance, continue de lire sur des groupes Facebook. Cette grossesse n'aboutit pas et Myriam fait une fausse couche. Elle a du mal à comprendre, mais continue à cheminer. Elle continue à apprendre plein de choses sur l'accouchement, découvre le métier de doula. Elle pense au départ qu'il s'agit d'une mama africaine qui aide les femmes à accoucher. Puis comprend dans les témoignages qu'elle lit ce qu'est vraiment une doula. Donc on peut résumer qu'une doula, c'est une femme qui accompagne et soutient une femme enceinte et son entourage avant, pendant et après l'accouchement. Après de longs mois d'attente et d'espoir sans résultat de grossesse et une période difficile dans sa vie professionnelle et amicale, Myriam se recentre sur elle, sur son énergie, sur son bien-être et sur sa famille. Elle tombe alors enceinte en plein premier confinement du Covid.
Au départ, angoissée par l'idée de perdre le bébé, elle travaille énormément sur elle-même et commence à souffler une fois le premier trimestre de grossesse passé. À partir du 5e mois, elle commence à chercher une sage-femme pour l'accompagner dans un projet d'accouchement à domicile, mais a du mal à s'y mettre, toujours dans la peur de perdre ce bébé. À 6 mois de grossesse, elle voit passer l'annonce du challenge « Accoucher sans péridurale », donc mon fameux challenge. Cette semaine, elle y participe, ça la booste énormément, ça lui permet d'avancer dans son projet en appelant et en trouvant des sages-femmes prêtes à l'accompagner pour l'accouchement à domicile. Myriam enchaîne le challenge avec le programme Objectif Naissance et tout devient une évidence. Son mari est partant pour l'aventure, même si un peu inquiet au départ. Finalement, le programme a beaucoup aidé le papa à prendre conscience de tout ce qui se jouait à l'accouchement. Les vidéos lui ont appris plein de choses et ont fait écho avec la préparation à la naissance effectuée par les sages-femmes de l'accouchement à domicile. Pour lui, cela a eu du sens et lui a permis de cheminer jusqu'au jour J. Myriam restait angoissée d'accoucher en maternité, elle n'arrivait pas à faire son projet de naissance pour la maternité. Et celui-ci n'était pas franchement le bienvenu dans sa maternité, justement. Elle a fait le dernier rendez-vous de suivi à la maternité quand même, sans parler de son projet d'AAD. Dans sa tête, son projet à elle était clair. Elle ne viendrait pas à la maternité, sauf en cas d'urgence. Mais sinon, tout était prêt pour aller jusqu'au bout de l'accouchement à domicile. Il reste encore un stress sur la venue du bébé. Myriam souhaite vraiment accoucher quand sa fille aînée est présente et pas en garde chez son papa. La nouvelle lune arrive, sa fille est là, cette semaine-là, c'est le bon moment. Une petite précision, Myriam et son conjoint sont une famille recomposée. Myriam a une première fille de 9 ans, son conjoint a un fils de 4 ans. Les deux enfants sont présents dans la maison le jour de l'accouchement. Je vous laisse avec Myriam, qui va vous raconter son accouchement très entouré, qui va prendre du temps à démarrer. J'étais pas la nouvelle lune, c'était le 16 novembre. Et donc, je me suis dit tranquillement, je me suis dit, c'est bon, tu peux arriver. Tu peux arriver, c'est la bonne semaine. On est tranquille, on est bien, il n'y a pas de souci. Donc le dimanche, j'ai eu énormément de contractions, j'étais fatiguée, j'avais mon amie qui devait être présente pour le jour J, qui avait des petits soucis avec sa fille. Donc j'ai dit, écoute, laisse-la moi le week-end, il n'y a pas de souci, je te la prends. Tu vas souffler un petit peu et moi je te la prends lundi soir. Donc le dimanche, elle est restée chez sa maman et le lundi, elle est arrivée à la maison. Donc on a passé le lundi, moi j'étais, il a fallu que je me pose un peu, j'étais très fatiguée le lundi. Donc du coup, voilà, la petite est arrivée à la maison, on a passé la soirée ensemble. Et du coup, moi, ça m'a permis un petit peu de me déconnecter aussi de moi-même, de me dire, arrête d'être attentive à toutes tes contractions, là. Tu sais qu'il va arriver, mais faut que tu arrêtes de l'attendre. Donc, pense à autre chose. Donc, on a passé la soirée ensemble, on a discuté un petit peu de sa relation avec sa maman. D'essayer un petit peu de mettre les choses à plat, de calmer l'histoire. On a discuté jusqu'à minuit. Et puis là, mon homme me dit, c'est pas que les filles, mais moi, je suis fatiguée. je vais me coucher. Et tu me rejoins quand tu veux. Donc, il me fait, j'étais sur le canapé. Il me fait le bisou. Il va fumer sa clope. Et puis moi, je me lève. Et puis, j'ai fait, OK, pas de souci. Puis, je me lève. Et puis là, je le regarde. J'ai fait, oh, oh, je crois que je me fais pipi dessus. Et là, il me fait quoi? Ouais, je crois que je me fais pipi dessus. Donc, du coup, vite, je cours. J'essaie de retenir, mais je me dis, non, c'est pas normal. Je me fais pas pipi dessus. Donc, je vais aux toilettes. Effectivement, quand je m'essuie, c'est clair. J'ai le papier tout blanc. J'avais perdu le bouchon muqueux 15 jours avant. Voilà. Et là, en fait, c'est des sensations que je découvre parce que pour ma première, j'ai eu que des contractions. Donc, je ne sais pas ce que c'est que de perdre le bouchon muqueux. Je ne sais pas ce que c'est que de perdre les os. Mais je me suis préparée. J'ai vu tout ça dans les vidéos, j'ai vu tout ça dans les témoignages. Donc,
je découvre et pour moi c'est l'euphorie quoi. Je me dis waouh, c'est cool. Et du coup voilà, bon bah je lui fais le bisou, il s'en va. Et puis à ce moment-là, on avait pour habitude le petit dernier de 4 ans de le réveiller à 1h du matin pour qu'il aille faire pipi. Donc il me dit bah j'amène Maëlle aux toilettes et je redescends. J'ai dit OK, pas de souci. Donc là, je suis revenue des toilettes, je continue à discuter donc avec la fille de mon ami. Et puis bah minuit et demi arrive, j'étais encore assise. Et puis je entre-temps, c'est pareil, j'essaie d'esquiver mes sensations mais je sens que ça picote. Ça me fait comme des petits coups d'aiguille dans le col. C'est désagréable mais voilà. Et là, je me lève. Et là, je regarde la fille de mon amie et je lui dis waouh. Ben Éline, demain, c'est le jour J. Et là, elle me regarde et me dit quoi ? Je dis, je suis en train de perdre les os. Elle me dit oh, tu déconnes. Et là, je me tiens debout devant elle et je lui dis bah, regarde entre mes jambes, tu vas voir que dans quelques secondes, je vais être trempée. Et je sens que là, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Et effectivement, elle me regardait. Elle fait ah, non, mais tu vas coucher là maintenant, vite, faut que j'appelle maman et tout. Et elle est en panique. Je lui dis non, no stress, t'inquiète, dors tranquillement. Là, moi, j'avais ma petite valise de prête, donc je me mets une protection, une couche culotte. J'avais prévu le coup. Et là, je me dis, ça y est, c'est bon, c'est le jour J. T'as entendu, tu m'as entendu. Et je lui dis, on est prêt. C'est bon, c'est cool. Donc, j'envoie un petit message sur mon groupe Facebook parce que le jour J, on avait prévu la présence donc de mon ami, le parrain et la marraine. Et du coup, on avait fait un petit groupe. Je pense que j'ai senti venir. Le week-end, j'ai fait un groupe de conversation Facebook avec le tonton, la tata, le parrain, la marraine et mon ami. Et là, j'envoie un petit message pour leur dire bah, écoutez, les amis, il est minuit et demi. Je viens de perdre les os. Bébé va pas tarder à arriver. Je vous tiens au courant. Bon, je savais que c'était ma petite goutte d'eau dans l'océan parce qu'à cette heure-ci tout le monde dormait. Donc j'ai dit à mon chéri ben va dormir, on va se coucher tranquillement. J'appréhendais un petit peu parce que voilà dans les récits moi les contractions pour ma première c'était gérable. Et dans tous les récits que j'avais lus, à partir du moment où la poche des os était rompue, les contractions arrivaient un petit peu costaud quoi. Donc j'appréhendais un petit peu la nuit en me disant est-ce qu'il va arriver là de suite ou pas. Bon bref. Donc on part se coucher. Bon moi trop excitée, trop voilà, je dors pas. Je me repose, on va dire. J'ai quand même des contractions une toutes les heures à peu près, je pense. Bon au bout d'un quart d'heure, mon homme lui, il y a plus personne hein, il ronfle. C'est terminé. Et donc du coup, bon la fille de mon ami va se coucher et moi 4h, 5h. Moi 5h, je me lève. Bon ça sert à rien. Tu tournes en rond dans le lit, t'es trop excitée, ça sert à rien, quoi. Et je pense qu'au moment où je me suis levée, c'est là où mon téléphone sonne. Et c'est mon beau-frère qui m'appelle et qui me dit « Ah, je viens de me réveiller, j'ai vu ton message, qu'est-ce qui se passe? T'en es où ?» Donc, j'ai dit « Bah, écoute, c'est tranquillou, j'ai des petites contractions, mais rien de fantastique. J'attends que ça évolue un peu plus et que le jour se lève pour pouvoir prévenir mes sages-femmes et prévenir tout le monde. Sauf que bah du coup, comme il a appelé sur le groupe de conversation, il a appelé tout le monde en même temps. Et donc, ça a réveillé tout le monde. Donc, à 5h du matin, j'ai le parrain qui m'appelle peu de temps après pour me dire « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» tout ça. Donc, j'explique. J'ai dit « Écoute, ouais, voilà, j'ai perdu les os hier, ce matin, très tôt, à minuit et demi. Et j'ai des contractions, mais rien de fantastique. Donc, on s'emballe pas. Hein. Il va venir, mais c'est pas pour de suite. Donc, ils s'organisent, eux, à savoir, bon, le petit, parce que voilà, leur fils, il a 12 ans, donc il faut qu'il aille au collège. Est-ce qu'il y va ou pas? Qui veut venir? Qui veut pas venir? Bon, bref. Et du coup, bon, leur fils va au collège, mais leur fille aînée, elle n'ira pas au CFA. Et du coup, elle viendra avec eux. Donc,
Moi, entre-temps, voilà, je me suis calée sur le canapé et j'ai commencé à compter mes contractions et elles ne sont pas régulières du tout. Je les sens, mais elles ne sont pas régulières. Et en fait, je ne sais pas dire, mais pour moi, c'est une sensation constante. Pour moi, la contraction, elle est tout le temps. Et je vais avoir une petite douleur plus vive de temps en temps, en fait. Mais j'ai tout le temps le ventre dur et j'ai tout le temps cette sensation de lourdeur dans le ventre. Donc, du coup, je me cale sur le canapé et je m'endors. Et je suis réveillée vers 8h30, à peu près 8h30, 9h. Les enfants se sont réveillés et à ce moment-là, j'ai le parrain et la marraine qui viennent d'arriver à la maison. Et puis, pareil, il est tout euphorique. Alors, ça y est! Il rentre dans le salon. Moi, j'étais en train de dormir. Et, bah alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dors, tu nous as réveillés à 5h du matin et toi, tu dors. Je me réveille, je dis oui, hein, quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, ça y est, c'est l'agitation et j'en profite pour appeler ma sage-femme pour l'expliquer parce que j'avais envoyé un message. Et donc, je lui dis, voilà, j'ai perdu les os, mais j'ai pas de contraction, enfin, j'ai pas de contraction régulière, voilà, ça reste tranquillou, donc qu'est-ce que je fais? Et là, elle m'appelle et elle me dit, écoute, on est chez une maman qui est en train d'accoucher aussi. Donc, si pour toi, c'est OK, dès que bébé est né, on fait la surveillance et puis on vient après. Et je dis, OK, pas de souci. Écoutez, moi, je me suis préparée. Si bébé arrive avant, il n'y a pas de souci. Mais je sais que vous allez venir dans la journée, donc pas de problème. On va y aller tranquillou. Et voilà. Donc, bon, la matinée passe. Je me dis, ça y est, c'est lancé, parce que vers 9h, j'ai des contractions toutes les 10 minutes à peu près. Des petites contractions qui me font bien souffler. Donc du coup, bon, ben, je me dis, ouais, OK, c'est bon, c'est lancé. Et il n'y a rien. Ça se passe comme ça pendant une heure ou deux. Et vers midi, ça s'espace. Bon. Donc on est là, on est tous en attente en fait. Et ce jour-là, il fait très beau. Il fait froid mais très beau. Et donc bon, on discute, il y a quand même de temps en temps où je balance parce que je la sens arriver et voilà, donc tout le monde est là, ah, ça y est, c'est bien. Non. Et bon, au final, ça s'est passé vraiment jusqu'à ce que j'en ai plus du tout, enfin où j'ai la sensation de plus en avoir du tout. Donc, moi, c'est pareil, j'en peux plus, quoi. Je suis fatiguée, j'ai pas dormi de la nuit. Et là, je me dis, non, et oh, j'ai perdu la poche des os, là, faut que t'arrives, quoi. Je lui dis, Coco, me fais pas l'histoire, là. Puis je lui dis, on est chronométré, quand même, mon fils. Je ne veux pas aller à la maternité. Il n'en est pas question, quoi. Donc, du coup, vers 15h, après manger, on décide d'aller marcher. Donc, on va marcher dans la campagne. Et là, c'est une touche merveilleuse. Je suis en chaussons, avec mes chaussettes pilou-pilou, en djellaba, avec ma petite brassière, et puis mes cheveux qui partent dans tous les sens. Et puis voilà, j'ai mes deux copines qui sont avec moi, et on part dans la campagne, puisque je vis à la campagne. Et puis voilà, on va marcher. On a dû faire 500 mètres, hein, à tout casser. Et on a mis une demi-heure à faire 500 mètres. Parce que c'était lourd. Et je lui dis, mon fils, tu pèses, quoi. Je lui dis, j'espère que ça va fonctionner, quoi. Je lui dis, c'est aujourd'hui, il y a tout le monde qui t'attend, tout le monde est là, il faut que tu viennes aujourd'hui, quoi. Et là, je me dis, t'as une touche, ma pauvre. T'es magnifique. Donc, on fait 500 mètres et on revient. Et vraiment, là, c'est waouh. C'est costaud. Je sens que ça pèse énormément sur mon col. J'ai l'impression d'avoir une boule en fait entre les jambes. C'est terrible cette sensation qui m'empêche presque de marcher. Et puis pouf, je suis fatiguée, donc je m'affale comme une grosse patate sur mon canapé et je dis bon, écoute là, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Je dis maintenant c'est à toi de bosser. Et je suis quand même inquiète quand même parce que je me dis bon là, ça va faire 24 heures que j'ai perdu les os. Est-ce que c'est OK quoi? Donc,
Et du coup, à ce moment-là, ben voilà, je pense qu'il est 17h à peu près. Je sens que ça recontracte un petit peu, mais c'est toujours pas efficace. Donc vers 17h à peu près, j'appelle ma sage-femme et je lui dis, écoute, moi, tout ce que je veux savoir, c'est est-ce que je peux rester à la maison et combien de temps? Voilà, parce que j'ai toujours pas de contraction efficace. Il se passe toujours rien de fantastique. Je dis, mais je veux juste que tu me rassures et que tu me dises, est-ce que je peux rester à la maison? Elle me dit, ouais, il n'y a pas de souci, jusqu'à demain. Si le travail se lance pas, de toute façon, voilà, écoute, la maman, elle vient d'accoucher. Ça y est, c'est bon, bébé est arrivé. Donc, on reste encore 2 heures en surveillance et après, on vient chez toi. Elle me dit, mais c'est OK, t'inquiète pas, tu peux encore rester chez toi jusqu'à demain. Elle me dit, à partir du moment où ton liquide est clair, que tu te sens bien, que bébé bouge, il n'y a pas de problème. Bon, on est dans les clous, il n'y a pas de souci, tout va bien. Donc du coup, là, je suis rassurée. Je suis rassurée parce que je me dis, OK, à 20h, elles sont là, quoi. Donc c'est bon. J'ai tout le monde avec moi, elles vont arriver. Donc déjà, je peux rester à la maison encore. Je suis soulagée, je pense que... Et j'avais besoin de ça, en fait, je pense. Parce que là, à 18h, les contractions, c'est pas du tout les mêmes. Et c'est tellement... En fait, à ce moment-là, je me dis que tout ce que j'ai appris pendant presque un an et demi et tout ce que j'ai vu avec toi, Marie-Laure, pendant le programme, ça a du sens. Et pour moi, là, ça y est, toutes les sensations que j'ai, c'est tout ce que j'ai appris. Et je me dis, waouh, en fait, c'est juste merveilleux, quoi. Je sens que mes contractions, elles poussent maintenant. Je sens que les contractions, elles viennent vers le bas. C'est plus du tout la même sensation. Et là, je me dis, ouais, ça y est, c'est parti. Donc, je me concentre. Ça y est, je commence à me mettre un petit peu dans ma bulle. Et en fait, à partir de là, je crois que je déconnecte complètement. Il est 18h, je me souviens juste de ça. Je suis sur mon canapé, la pénombre arrive. Donc là, voilà, hein, on est le 18 novembre, il commence à faire nuit. Et je me dis, ouais, en fait, t'avais besoin de ça. Et c'est là que je me dis, en fait, t'étais pas du tout prête pour un rana, pas du tout. Mais tant mieux dans un sens, parce qu'au final... Mes amis n'étaient pas prêts non plus pour que j'accouche toute seule. et du coup, ça y est, là, je me mets dans ma bulle, on ferme les volets, je lance le chauffage. Donc, j'allume mon poêle à granulés. Mon chéri, lui, il était complètement KO. Donc, à ce moment-là, il va dormir. Bon, je me dis qu'il abuse un peu, mais bon. Je me dis qu'il va avoir besoin de force. Donc, on a encore un peu le temps. Et que dans 2 heures, j'ai mes sages-femmes qui sont là, donc il a 2 heures devant lui pour dormir. Donc il n'y a pas de souci. Et voilà, et là ça commence. Je sens que les contractions arrivent et en fait, pour moi, les vagues là, ça prend tout leur sens. C'est incroyable, mais en fait, je les sens qui commencent au niveau de mes côtes. Et qui redescendent jusqu'à mon col. Et là, mon col, je sens que ça travaille parce que du coup, ces sensations que j'avais avant, ces picotements là, ça devient plus intense en fait. Et donc là, je marche et je me dis que bon, peut-être qu'il faut que j'arrête de marcher et que je vais m'allonger un peu et que moi aussi, il faut que je reprenne des forces. Donc je m'allonge. Je pense que ça a duré 3 minutes. Et là, j'ai une contraction qui arrive et je me suis relevée d'un coup et j'ai fait « Oh, ça va pas être possible !» J'ai dit « Ah non, mais là, c'est niette, je peux pas m'allonger. C'est foutu. » Et là, je pense à toutes ces mamans qui accouchent et je me dis « Si tu avais été en maternité, mais je pense que tu aurais douillé, mais un truc de malade. » Et je comprends quand effectivement, après la poche des os qui est rompue, que les contractions sont intenses, bah, effectivement, là, dans cette position allongée, c'est juste impossible à gérer pour moi. Donc, je me relève et je me dis, j'ai mon ballon qui me fait de l'œil, mais je me dis, même assis, ça va pas le faire. Tu sens ton col, je sens que c'est lourd et si je m'assois dessus, c'est pas la peine.
Donc, je reste debout et je fais des 8 avec mon bassin. Là, entre-temps, je me suis changée parce que j'ai eu tellement chaud que j'avais transpiré. Je sens le phoque. Hein. C'est terrible. c'est terrible, terrible. Mais bon, je me dis, c'est pas grave. C'est pas le moment de prendre une douche. Parce que rien que de m'imaginer prendre une douche, je supporte pas l'idée. En fait. À la base, j'avais prévu une piscine. Mais cette piscine, j'ai pas pu l'avoir parce que la période où je suis en train d'accoucher, là, il y a une autre maman à 40 km de chez moi qui a aussi sa DPA à ce moment-là et qui a la piscine. Donc du coup, je me dis, c'est pas grave, t'accoucheras sans, parce que si ça se trouve, en fait, l'idée, elle va pas te plaire. Et honnêtement, je sais que j'aurais pas supporté. J'aurais pas supporté du tout. Parce qu'en fait, je suis trop bien dans la chaleur de mon poil et debout à faire des 8 avec mon bassin. Et je respire tranquillement. Et je les sens et là je sens les vagues. Donc à partir de là, je saurais pas trop dire combien de temps il s'écoule. Bon, je sais que mes sages-femmes arrivent, il est 20h30, elles sont là. Et puis bon, je pense que c'est là où ça va commencer à devenir un peu flou pour moi. Elles m'examinent. Et là, moi, j'ai mon cœur, il fait boum. Elle m'a demandé de m'allonger sur le canapé, donc j'essaie de trouver une position à peu près confortable. Et en fait, elle me pose le monito sur le ventre je regrette juste ce moment-là de pas l'avoir enregistré. Hein, j'en ai les larmes aux yeux rien que de repenser à ce moment-là. J'entends le cœur de mon fils et pour moi, c'est un troupeau de chevaux au galop. C'est juste magnifique, quoi. J'ai pas de mots à ce moment-là. Quand elle le pose, je fais ah, waouh, on dirait un troupeau de chevaux au galop. J'appelle ma fille de suite parce qu'elle est fan des chevaux. Et j'ai dit écoute ton frère, écoute le cœur de ton frère. Et là on se regarde toutes les deux et fait oh maman, on dirait des chevaux. Et je dis oui c'est vrai. Et c'est à partir de là, elle me dit ouais bébé va bien, regarde, écoute-le. Ma sage-femme me dit tout est ok, tout va bien. Il arrive. Et donc là, c'est juste merveilleux pour moi. C'est merveilleux. Je me dis ça y est, elles sont là. Je vais le faire. C'est l'heure à peu près à laquelle mon chéri se réveille. Et à partir de là, eux ils vont manger. Je sais qu'ils sont allés manger. Ouais. De ce que je me souviens, ils sont allés manger dans la cuisine. Et là, j'ai monopolisé le salon. Donc, en fait, je pense qu'avant de se coucher, parce que j'ai aucun souvenir, c'est terrible, hein. Mais je pense qu'avant de me coucher, mon chéri, il avait installé tout, on avait bâché le canapé, on avait mis les serviettes, le drap, je m'étais installé mon petit tapis de yoga, en bas du canapé. Donc voilà, je suis sur mon tapis de yoga, et je me souviens, hein. Avec les photos, parce qu'en fait, c'est les photos et les vidéos qui me permettent de me souvenir. Là, je commence à avoir les contractions bien intenses. Et donc là, je demande de l'aide à mon homme qui va venir me soutenir le ventre. Et pareil, on fait des 8 ensemble. Et je sais pas du tout combien de temps il s'écoule. À partir de là, je ne sais pas du tout combien de temps il s'écoule. Mais du coup, ouais, c'est le fait qu'il me soutienne le ventre, ça me soulage énormément. Et donc, je vais passer... Là, pour moi, il est 20h30. Et je ferme les yeux. Je me sens sur moi-même. Je me mets dans ma bulle. Pour moi, il n'y a plus rien qui existe. Je sais qu'à ce moment-là, c'est peut-être à peu près à cette période-là que mon amie qui avait son fils avec elle va coucher les garçons. Donc je les vois passer devant moi. Ils me font un bisou. Je leur dis bonne nuit. Et puis plus rien. Je crois que si j'ai dû rouvrir les yeux vers 9h parce que ma fille elle me dit maman je vais me mettre en pyjama, je lui propose d'aller se coucher si elle en a envie. Elle me regarde, elle fait la grimace et elle va dire « Oh, qu'est-ce que tu me dis, toi, là ? Je vais pas me coucher, hein, t'es ouf !» Donc, je lui dis « Écoute, mon cœur,
je pense qu'à partir de là, maman, elle va plus exister. Donc, je dis, tu fais comme tu veux, tu es grande, je te laisse gérer. Si à un moment donné, pour toi, c'est trop, tu peux aller te mettre dans la cuisine ou tu peux aller te coucher. Je lui dis, je sais que tu es fatiguée, je le vois. Je lui dis, mais... Elle me dit, ouais, t'inquiète, maman, je gère. Ouh, ok, pas de souci. À savoir que quand même, depuis le début de ma grossesse, elle me dit qu'elle veut pas être là, qu'elle veut pas être présente le jour J. Elle me dit, il est hors de question que je sois là. J'irai me cacher dans ma chambre, voilà. Et là, elle m'étonne. Franchement, elle m'étonne. Et j'ai dit, pas de souci, mon cœur, tu fais comme tu veux, tu gères. Et là, voilà, ça y est. À partir de là, je me mets dans ma bulle et il n'y a plus personne. Donc, je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas trop ce qui se passe autour de moi. J'en sais rien. Je sais pas dans quelle position je me mets. Je sais pas si je suis assise sur le canapé ou si je suis debout. Je sais plus rien. Je sais juste que je suis concentrée, je parle à mon fils à l'intérieur et je lui dis que c'est ok quoi, qu'il peut venir, que je l'attends et que je suis hyper impatiente et que tout ce que je veux c'est qu'il vienne à la maison. J'ai dit tu prends le temps qu'il faut, mais je veux que tu viennes là, que tu naisses ici. Je veux pas partir à la maternité, je lui dis. Et voilà. Et franchement. Je ne sais plus combien de temps il se passe. Pour moi, il y a plus rien, quoi. Et je sens mes vagues. Je sens que mon bébé arrive. Et c'est dingue, quoi. C'est des sensations tellement folles. Parce que c'est pas des contractions, en fait. Vraiment, les vagues, là, elles prennent tout leur sens. Je sens que ça descend, en fait. Et que bébé descend au fur et à mesure. Et c'est tellement intense, en fait. C'est pas spécialement, je saurais pas dire si c'était vraiment de la douleur, mais c'est hyper, hyper intense. Et en fait, je les souffle, je les vocalise à chaque fois qu'elles descendent. Parce que pour moi, elles démarrent au niveau de mes côtes et elles descendent. Et ouais, et voilà. Et à un moment donné, je sais que j'ai hyper chaud. Donc je dis à mon chéri, je sais plus du tout dans quelle position je suis, mais je lui dis qu'il faut qu'il me ventile parce que je vais faire un malaise. Je dis j'en peux plus, j'ai trop chaud quoi. Je pense qu'il doit faire à peu près 28 degrés dans la pièce. Donc il prend les cartons qu'on avait gardés pour faire les empreintes du placenta et il me ventile avec ça. Je pense qu'il doit me ventiler pendant à peu près une heure. Et moi, je suis, voilà, j'ai les yeux fermés, je suis dans mon monde, je respire à chaque fois que j'ai un courant d'air frais qui me vient dans le visage. C'est juste une bouffée d'air à chaque fois. Et en fait, je pense qu'au bout d'un certain temps, je le sens. Je l'entends qui souffle et qui s'épuise. Et là, je crois que c'est l'un des rares moments où je vais sortir de ma bulle et où je vais dire, mais je lui dis, écoute, mon cœur, je dis, mais on est vraiment con. J'ai dit ça comme ça. Hein. J'ai dit, on est vraiment con. J'ai dit, on a un ventilateur. J'ai dit, monte dans le grenier et va chercher le ventilateur. J'ai dit, je suis désolée, mon cœur, j'y ai pas pensé avant. Donc, il y a quelqu'un qui prend le relais, je sais pas qui, et je l'entends dévaler les escaliers monter les escaliers en trombe pour aller chercher le ventilateur. Et il revient de suite, il m'installe le ventilateur et là, c'est bonheur. C'est bonheur total. Et je me confonds en excuses. Je lui dis, je suis désolée, mon amour, je suis désolée. J'avais pas pensé au ventilateur avant. Je lui dis, je suis désolée, je suis désolée. Il me dit, non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Et donc, je sais qu'à partir de là, je crois me souvenir que je me suis mise à quatre pattes sur le canapé. Je suis accroupie sur le canapé. J'ai les coussins. Et je m'écroule comme ça. Le ventre un peu dans le vide. Et la tête sur le ventilateur. Et je suis bien. Et je suis trop bien. Je suis tellement trop bien. Et voilà. Et je crois qu'à partir de là, j'ai complètement déconnecté. Et voilà. Et à un moment donné, je sens que ça pousse. Je sais pas du tout quelle heure il est. Hein. Je sais pas du tout. Mais je sens que ça pousse. Et c'est pareil. C'est ce moment-là avec le ventilateur et ce moment-là où ça pousse. Où je suis sortie de ma bulle,
pas de ma bulle plus ou moins, hein, parce que j'ai toujours les yeux fermés. Et là, je me dis, ça pousse, mais ça va pas le faire. Et dans ma tête, il y a tellement de choses qui se passent. Et je me dis, non, ça va pas le faire. J'y là. Et j'ai l'impression que je parle à l'intérieur de moi. Donc, je me permets de me dire des trucs, mais en fait, il y a tout le monde qui éclate de rire parce que je suis en train de me dire, oh, non, c'est impossible. Il va me déchirer la chatte, quoi. Il y a tout le monde qui rigole. Mais je sais que là, c'est le moment, il arrive. Et alors, j'ai cette sensation où je pense. À ce moment-là, je me dis, ça y est, ça, c'est le cercle de feu. Mais avant ça, je me suis mis mes 50 trucs dans ma tête. Dans ma tête, je me dis, ça va pas être possible. Mais quelle idée t'as eue? C'est quoi cette idée que t'as eue de faire un accouchement à domicile, quoi? C'est n'importe quoi. On m'y reprendra plus. J'ai dit, c'est quoi cette idée? Et donc là, voilà, j'ai ce cercle de feu qui arrive à ce moment-là. Et en fait, moi, ça me brûle pas. J'ai l'impression que la tête de mon fils est entourée de lames de rasoir. J'ai cette sensation-là. Et je me dis, s'il sort maintenant, je pense que ça va finir en Grand Canyon, quoi. C'est comme ça dans ma tête. Je me dis, là, c'est juste impossible. Il peut pas sortir maintenant. Ça va pas le faire. Et en fait, voilà, que dans ma tête, je me dis ça, mais en fait, il y a tout le monde qui a entendu et tout le monde rigole. Et à partir de là, pour moi, ça a duré 20 minutes. Entre le moment où je dis... Où je sens que ça pousse et où il arrive, et le moment où il est vraiment sorti pour de bon, pour moi, il s'est écoulé 20 minutes. Pas du tout. Je saurai plus tard qu'il s'est pratiquement écoulé entre 2h30 et 3h. Voilà. En fait, moi, mon challenge, là, à ce moment-là, c'est de le garder. Et je repense à ce que tu nous as dit, qu'en fait, pour assouplir le périnée, le bébé a souvent tendance à sortir la tête et à re-rentrer. Et en fait, j'ai cette sensation-là de me dire que non, il faut que tu le retiennes, parce que là, s'il sort maintenant, tu vas pas pouvoir gérer. Et voilà, mon challenge, c'est ça. Je sens que ça pousse, hop, je me détends, mais en même temps, je le reprends avec moi, en fait. Et ça pousse à nouveau, et je le reprends avec moi. Et pour moi, ça dure 20 minutes, mais non, visiblement, ça a été hyper long. Jusqu'au moment où je me dis, bon, là, à un moment donné, il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma tête. Je me suis dit, non, tu vas pas pouvoir le sortir, ça va pas être possible, il va te déchirer. C'est là qu'il te faut la péridurale, quoi. Je dis, mais c'est foutu, tu peux plus rentrer dans la voiture, t'as 40 minutes de route. Et je suis en train de calculer dans ma tête, en fait, t'as 40 minutes de route, le temps que t'arrives à la maternité, on va me demander de pas pousser, le temps de la péridurale, mais c'est pas possible, en fait. Et j'ai dit, non, mais comment je fais? Il est là, mais je peux pas le sortir. Je sais plus, je suis perdue dans ma tête, mais tout se passe dans ma tête. Et en fait, je repense à toutes ces étapes, et là, clairement, je suis consciente que je suis en plein dans ma phase de désespérance. Mais en fait, je me dis, ils sont tous là à attendre aussi. Moi aussi, j'attends. Mais combien de temps ça va durer? Parce que tu peux pas le sortir maintenant. Et je crois qu'à ce moment-là, j'étais accroupie parce que j'ai dû descendre du canapé. Parce que je me souviens, à un moment donné, je me dis, bon... c'est bon, on va arrêter les conneries, hein. Et il est temps que tu sortes. On va pas rester là comme ça toute la nuit. Et je me dis, bon, allez, souffle bien comme il faut. Et accompagne-le, quoi. Parce que il a vraiment envie de sortir. Et je me dis que de toute façon, c'est, là aussi, je me raisonne en me disant que c'est une sensation. Tu vas pas finir écartelé. Tu vas pas finir complètement éventré. Je dis, c'est une sensation que t'as, et une fois qu'il sera sorti, rappelle-toi qu'une fois qu'il sera sorti, t'auras plus mal, quoi. Donc c'est pareil, hein, je pense dans ma tête que j'ai dû mettre 10 minutes à accepter cette idée-là, jusqu'à ce qu'à un moment donné je me dis, c'est bon, il faut que tu y ailles. Et là, dans mes sensations,
c'est pareil, à un moment donné, je mets ma main entre mes jambes et je sais pas ce que c'est tout mou, c'est tout gélatineux. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et c'est sa tête. Je pensais que c'était dur, moi, une tête. Parce que j'ai pas senti ma fille. Et si, j'ai senti ma fille, mais quand je l'ai sentie, en fait, la poche des os n'avait pas percé. Donc, j'avais pas cette sensation de tout mou, de tout gluant, en fait. Donc, du coup, je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que t'es en train de faire caca? Ou est-ce que c'est juste un morceau de la poche des os qui est en train de pendouiller? Je sais pas, c'est bizarre. Et c'est pareil, je pense que je dois le dire tout fort parce que j'entends ma fille qui me dit « Maman, il est là, je vois ses cheveux, il arrive. » Et mais elle me dit pas ça comme ça en fait, elle est tellement euphorique, elle me dit « Oui, maman, c'est lui, il est là, il arrive et tout, tu peux le faire, elle me dit. » Et là, mais ça me booste, mais un truc de dingue, ça me booste et je me dis « Ah ben, elle est là, je sais pas où elle est, hein. » Je sais pas du tout où elle est. Elle est là, elle le voit, elle va voir son frère arriver. Et waouh, ça, elle me donne une bouffée d'amour à ce moment-là. Et je me dis, OK, c'est bon, il arrive. Et je lâche tout. Je lâche tout et waouh, c'est, la sensation, elle est terriblement forte. Et je me dis, oui, il est en train de te scalper là. Oui, il est en train de te scalper, mais il arrive. C'est pas grave, il faut qu'il arrive. Et paf, la tête sort. Et en fait, j'ai senti tout son corps qui est sorti en une fois. Et là, je sais plus. Donc, pour moi, je suis estomaquée, en fait. Estomaquée de me dire que il est arrivé en une fois, ça y est, il est où, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça y est, il est sorti. Et j'ai ma sage-femme qui me dit, il est là, prends ton fils, il est là entre tes jambes. Mais je vois rien, je vois flou, mais complètement flou. Je vois complètement flou et j'essaie d'attraper mon fils. Je vois qu'il a le cordon en bretelles, donc je suis plus à même de le faire en fait. Je suis tellement estomaquée de le voir. J'entends autour de moi des waouh, des tout le monde est impressionné et moi aussi. Et j'arrive à attraper mon fils, je le prends, je le regarde et il n'y a pas de larmes, c'est juste, j'ai plus de voix, je me dis, ça y est, tu l'as fait. Et dans ma tête, je suis là, je le regarde et je dis, on l'a fait, quoi. Et voilà, pour moi, j'ai plus de mots à ce moment-là. Je suis sciée, je me souviens juste, je me revois juste en train de faire, comme ça. Ça dure un petit moment, mais je suis estomaquée littéralement. Et je suis tellement, tellement fière de lui, en fait. Tellement fière de ce qu'il a réussi à faire. Et tellement fière que, bah, qu'il m'ait permis, d'avoir toutes ces sensations-là. Et me dire qu'effectivement, une fois qu'il est sorti, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui existe. Je ressens plus rien. C'est juste merveilleux. Alors j'essaie tant bien que mal à ce moment-là de m'allonger, de me mettre sur le canapé, mais je crois que je me suis affalée par terre contre adossée au canapé, je crois, de mes souvenirs, de ce que j'ai vu dans les photos. Et voilà, et je contemple mon fils et je me dis que c'est juste merveilleux et que j'ai réussi à le faire et là je regarde ma fille. Et je suis tellement fière, en fait. Je suis tellement fière d'elle. Je suis tellement fière de mon fils. Je suis tellement fière de mes enfants. Et voilà. Et là, je retombe un petit peu. Et je contemple. Je contemple la scène avec mes amis d'un côté. Je les découvre. Je les vois alignés le long du mur, en fait. Et là, je découvre ce qui s'est passé autour de moi pendant toutes ces heures. Et voilà quoi et donc je m'allonge et je sais pas il se passe vraiment très très peu de temps je crois hein, entre le moment où mon fils est sur moi et où je fais naître le placenta à son tour là j'ai ma sage-femme qui me dit bah c'est OK le cordon il bat plus donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse.
Donc là, je me retourne vers mon chéri et je lui demande, je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'on avait prévu deux options. On avait prévu soit de brûler le cordon, soit de mettre un lien de cordon, pas de clamp. Je voulais pas de clamp. Donc en fait, j'avais acheté un lien de cordon chez une dame, je sais pas si je peux le dire. c'est Mélune. Mélune qui vend des liens de cordon en coton bio. Et d'ailleurs, du coup, si je peux le dire, c'est elle aussi chez qui j'ai acheté ma tisane, chez qui voilà, j'ai acheté un petit peu tout pour ma teinture mère. J'ai cherché le nom. Ma teinture mère, mes huiles, enfin tout ça pour me préparer. Donc voilà. Et du coup voilà, on demande à papa et lui en fait, je l'ai pas vu. Mais au moment où le placenta est né, je crois qu'il a fait un petit malaise avec l'odeur du sang. Pas la vision du placenta, mais l'odeur du sang. Après, il faisait très chaud. Donc je pense que voilà, l'odeur lui a fait un petit peu tourner de la tête, donc du coup, il était pas là, il me regarde, il me dit "Je suis désolée mon cœur, mais ça sent." J'ai dit "Bah oui, ça sent, oui, quand tu vas le brûler, ça va sentir." Il me dit, c'est pas que je veux pas, mais là, je vais pas supporter d'autres odeurs. Donc, je dis, OK, pas de souci, on prend le lien. Mes sages-femmes, je crois qu'elles clampent côté placenta. Et après, elles attachent le lien de cordon avec l'aide de papa. Elles font le premier nœud et papa serre derrière. Et il va couper. Donc voilà, donc du coup mon bébé est détaché de son jumeau et c'est là qu'on le contemple. On contemple le placenta et à quel point c'est gros, à quel point c'est lourd. Je vois les membranes. Enfin, c'est juste incroyable en fait de voir le sien, pas de voir celui des autres en photo ou quoi. Mais de voir le sien et de le voir en face, c'est impressionnant. Donc du coup, elle se décide à ce moment-là de faire les empreintes. On se rend compte que le papier qu'on avait choisi, il était pas top. C'était pas tout à fait du papier Canson et c'est du papier que mon chéri a ramené de son travail. Donc c'est pas du papier très top, mais bon, ça permet. On en fait plusieurs au final. Et du coup, c'est assez rigolo parce que voilà, on a quatre empreintes différentes. On a l'empreinte du placenta bien imbibé, plein de sang, un peu moins. Et en fait, ça fait crescendo. Jusqu'à la dernière empreinte, on voit presque plus le placenta. Donc au début, on s'est dit qu'on allait garder que la plus jolie, mais non, en fait, on a décidé de garder les quatre et de les encadrer plus tard. Voilà. Et donc voilà, à ce moment-là, voilà, je me remets sur le canapé, j'ai mon fils dans les bras, et c'est juste top quoi. Ma fille qui est juste émerveillée et elle trouve son frère trop beau et en fait sa réaction c'est juste fantastique parce qu'elle arrête pas de répéter qu'il est trop beau, qu'il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau maman, il est trop beau. Et elle me dit qu'elle est fière de moi, qu'elle me fait des bisous, elle fait des câlins, son frère, elle est juste trop contente, quoi. Et moi, en fait, à ce moment-là, c'est le bonheur d'avoir mon fils dans les bras, enfin. Enfin, on est arrivé jusqu'au bout. Il est là. Il m'a permis de réaliser ce que je voulais, de rester à la maison. Il est arrivé au moment parfait et je me dis il a ma tête. c'est trop drôle mais j'ai l'impression de me voir en fait, de me voir moi bébé. Et là je me dis mais c'est pas un garçon. Mais bon si, et en fait je suis impressionnée, j'ai pas l'impression que c'est mon fils, j'ai pas l'impression que c'est le mien, ça fait 9 ans que je parle de ma fille. Et là, j'ai un garçon, c'est waouh, quoi.
Merci infiniment, Myriam, pour ce temps accordé à cette interview, pour tous les détails que tu as pu donner sur ton accouchement. Je suis sûre que ça va pouvoir inspirer des mamans et peut-être leur donner des idées. Je te souhaite une belle continuation dans ta vie familiale, du bonheur dans ta reconversion professionnelle à venir. Et nous sommes toujours en contact puisque au moment où je tourne cet épisode de podcast, Myriam est à nouveau enceinte et a re-signé pour l'accompagnement Objectif Naissance. Je vous souhaite une belle journée.